se regroupe pour une nouvelle vidéo. Donc pendant la quatrième présentation de ma manga tech. Donc c'est parti. Donc nous commençons avec des stickers à acheter. Une petite figurine. Un mug. Voilà. Une photo de moi et mon papy. Et les 31 premiers temps de Dragon Ball. Donc j'ai tout trié par addition. Mais je vais la refaire ma manga tech. Donc j'adore la refaire. Donc après nous avons du tome 32 au 42. Donc la fin de Dragon Ball. Donc là on a des mangas en double volume, un manga en couleur, double volume, des petites éditions, un film en couleur. Et là on a le film le tome 1 de One Piece Strong World, donc c'est Glénat. Je trie par édition. Donc après nous passons au pic à édition. Donc là on finit avec les 10 premiers tomes de Fairy Tail. Et nous avons la suite donc jusqu'au 40. Donc là on a le petit badge de Fairy Tail, Happy, Lucy, Erza, Grey, Natsu et voilà. Donc hop les. Donc après nous descendons dans l'étage des figurines et nous avons des figurines de One Piece et Fullmetal Alchemist. Donc voilà. Nous descendons, donc nous avons une figurine de Minato, Naruto, Kore-sensei et Itachi Uchiwa. Donc après, dans le, je sais plus combien d'étage, donc ouais, je sais pas compter, nous avons le film La Prêtresse du Phénix, tome 41, 43, 48 de Fairy Tail, le tome de Fairy Tail Grand Mistral, les 4 premiers tomes de Seven Deadly Sins, les 4 tomes de Another, les 4 premiers tomes de Seven Deadly Sins, parce qu'il y en a déjà 13, donc c'est vraiment une série, mais un coup de cœur de malade, donc je kiffe ce manga, moi. Les 4 tomes de Another, le Wajatsu Mitsuki qui est fait par Hiroki Yohara. Donc, qui est le dessinateur de Another, donc comme vous pouvez voir. Hiroki Yohara, donc le focus ne peut pas se faire. Tant pis, tant pis. Nous, les 11 premiers tomes de Assassin's Classroom. Le 6, 8, 33, 34, 35, 36 de Naruto. Le tome 1 de Atlantine et le tome 1 de Captain Bata. Donc, ah, j'arrive pas à parler. Ceux qui sont intéressés pour le tome de Captain Amateur, il sort le 1er juillet, donc le jour de mon anniversaire. Je trouve ça cool. Donc on descend, et donc là c'était encore Pika Edition, Kana. Et maintenant on passe au. Bah encore Kana, et après on commence avec les Kiyun. Donc là nous avons les 5 premiers tomes de Seraph of Zen. Donc qui est vraiment une série fantastique en elle-même. Donc voilà. La couverture, je peux vous la montrer à quoi ça ressemble. Donc, j'ai découvert ce manga grâce à Snas Classroom. Et voilà. Donc, après, nous avons les 4 premiers tomes de Lessons Dive, les 4 premiers tomes de Doubt, les 6 premiers tomes de Judge, les tomes 1 de Secret. Donc, les 3 sont sortis en France. Donc, il faudrait que j'achète le 3 et après le 2. Donc, puisque j'ai déjà lu le 2, et ça sert à rien. Et j'ai envie de savoir la suite. Bah, du tome 2. Donc, le tome 1 de RMMA. Les deux premiers tomes de Kazané. Donc, qui est vraiment un manga fantastique. Donc, voilà quoi ressemble le tome 2. Les deux tomes de Poison City. Les trois tomes de Prophétie. Et le tome 1 de Q. Donc, 2 sortira le 12 mai en France. Donc, voilà des petits badges. Un badge de Sakura. Un badge de Naruto. Et on descend au dernier étage. Et c'est parti, les amis. Donc, nous avons les deux tomes de Les Oubliés, le tome 1 de Dofusana, le tome 1 de Digimon. Donc, oui, j'ai beaucoup de tomes 1. Le One to Jack the Galactic Patrol Man, les 4 tomes de Blue Exorcist, les 2 tomes de Sword Art Online, enfin, les 4 premiers tomes de Blue Exorcist. Voilà, donc, les 3 tomes de Scumbag Lancer, donc, qui est vraiment un seinen franchement remarquable. Les 3 tomes de Kitai Luck, le tome 1 de Heavy Later, les 2 tomes de Ocean Voice, donc Ocean Voice fait le tournoi de News Manga 2015 du meilleur shonen, donc il est en finale et je dis bravo au mangaka, donc à Yoshiotoki Woma. Donc les 3 tomes de Fullmetal Alchemist, donc les 3 premiers, oui j'achèterai la suite pour ceux qui veulent savoir, donc les 2 tomes de One Punch Man, donc là vous voyez le tome 1. Mais j'ai aussi le tome 2, donc que beaucoup de personnes m'ont acheté. Donc voilà à quoi il ressemble.
vous l'avez. Donc à deux titres, vous n'aurez pas de problème à le trouver, mais vraiment pas. Ils en mettent de partout, donc je trouve ça un peu con. Parce que ils en mettent 50, je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc les 8 premiers tomes de Rise One, le tome 1 de Bloodlade, enfin voilà. Il y a la suite, mais voilà, il faut que j'achète la suite. Voilà. Donc les 5 premiers tomes de Pokémon Noir et Blanc et les 2 tomes de Golden Five. Enfin les 2 premiers, et le troisième sortira je sais pas quand. Donc je vais me renseigner après et je vous dirai tout. Donc voilà un petit récapitulatif. Voilà. Donc j'ai 198 mangas. Donc je trouve ça pas mal. J'ai un peu reculé. Sans me prendre le mur. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo, les amis. Bye bye!